Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour 4 de la semaine de vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de ma petite Golden. Vous êtes nombreux à l'attendre, cette vidéo aussi, parce que vous êtes nombreux à me poser pas mal de questions pour en savoir un peu plus sur la louloute. Donc voilà, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vais vous faire ma petite présentation de Golden. Donc Golden a pour nom entier Golden Beauty de Cannes. Donc déjà Beauty, ça montre une certaine beauté, parce que oui, Golden c'est une pure beauté. De Cannes, du coup, vous avez peut-être pu deviner qu'elle vient du même élevage que Gossip et Bilbao. Je crois que je suis abonnée à cet élevage tout simplement parce que je l'adore et que j'adore les mini que mon éleveuse me propose. Et voilà, pour moi c'était obligé que lorsque j'aurai un troisième mini, il vient du même élevage que mes deux loulous. Donc voilà, ma petite louloute a 2 ans et demi, et ce qui est très marrant, c'est qu'elle est née un jour après Gossip. Elles ont à peu près 24 heures d'écart l'une à l'autre, donc Gossip est plus vieille que Golden. Mais voilà, c'est vraiment très marrant, les naissances sont très serrées. Gossip est née le 23 et Golden est née le 24 avril. Elles sont donc nées toutes les deux en 2016, c'est pour ça qu'elles ont toutes deux la lettre G au début de leur prénom. Pour en revenir par rapport à Gossip, Golden a un lien de parenté avec ma petite chérie, tout simplement parce qu'elles sont demi-sœurs. Donc elles ont comme parent commun le papa qui est John Tentation. Donc voilà, mes petites louloutes sont demi-sœurs. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'elles se sont très bien entendues dès le début, parce qu'elles ont grandi ensemble à l'élevage, donc elles ont dû sûrement se reconnaître. Et voilà, c'est mes deux petites demi-sœurs qui sont ensemble, donc ça me fait très plaisir. Pour la couleur de Golden, elle est Tobiano Palomino, donc de la même couleur que Bibi, mais elle a du coup du blanc parce qu'elle est Pi. On dit Tobiano, mais on peut dire également Pi Palomino. Le Palomino de Golden est beaucoup plus voyant par rapport à Bilbao, on dirait presque qu'il est blanc. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que Golden, sa robe était vraiment magnifique et le palomino ressortait vraiment super bien sur elle. Ma petite chérie est vraiment une toute petite naine, tout simplement parce qu'elle fait seulement 65 cm. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo de pourquoi j'avais acheté un troisième mini. Mais voilà, la louloute est vraiment toute petite. Elle ne devrait même pas dépasser les 68 cm. Là, vu qu'elle a 2 ans et demi, elle va bientôt terminer sa croissance, donc elle va plus pousser beaucoup. Et c'est ce qui me fait vraiment craquer sur elle, c'est vraiment sa toute petite taille. Golden a aussi beaucoup de crin et c'est ce qui me fait vraiment rêver. Je voulais un poney qui ait beaucoup de crin et elle en a des super longs. Beaucoup m'ont demandé si j'allais lui couper. Eh bien non, je ne vais pas lui couper son crin parce que je l'adore, j'ai envie de la coiffer, de lui faire des petites tresses et tout. Franchement, j'ai adoré, je trouverais qu'elle est vraiment sublime avec son long crin. Golden Hack n'est pas une pure race, elle est origine non constatée, tout simplement parce que voilà, mon éleveuse n'a pas voulu la mettre en pure race, parce que quand on doit faire les pleins papiers, eh bien ça coûte un certain prix, et vu que de base elle devait la garder, elle souhaitait la garder pour l'élevage, et eh bien elle a préféré la laisser en origine non constatée. Mais bien sûr, c'est prévu que je fasse passer Golden ainsi que Gossip en commission pour qu'elle soit pure race de chevaux miniatures français. Pour ce qui est de la reproduction avec Golden, eh bien si elle est là aujourd'hui, c'est tout simplement qu'elle ne peut pas reproduire, elle ne peut pas pouliner, parce tout simplement par rapport à sa toute petite taille, elle est beaucoup trop petite et du coup il y a beaucoup trop de risques pour qu'elle ait un poulain, et c'est bien sûr pour ça que je l'ai, parce que moi je ne souhaite pas faire pouliner mes louloutes, elles sont très bien comme ça, j'ai pas envie de leur faire subir ça, et c'est également pour ça que Golden a été mis en vente, car l'élevage comptant un grand nombre de poneys, bah mon éleveuse doit s'en séparer de certains et certaines, et du coup bah Golden ne pouvant pas reproduire, et eh bien c'était un poney qui était en trop, qui n'allait pas lui servir dans son travail de l'élevage, et c'est pour ça qu'elle a choisi de la vendre, mais pas à n'importe qui. Du coup je ne suis pas n'importe qui, du coup elle n'a pas eu peur de me la laisser, mais c'est également pour ça que Golden ne pourra pas faire de poulains, et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Pour ce qui est de son caractère, eh bien Golden a un caractère assez spécial puisque c'est un vrai Mustang. C'est une pouliche qui est vraiment très gentille, qui a envie d'être proche de l'homme, mais dès qu'il s'agit de vouloir travailler, de lui présenter un licol, eh bien là c'est
totalement terminée, elle ne s'approche plus. Donc Agathe m'a toujours dit que Golden a été comme ça et que malheureusement, vu que c'est un élevage, bah, elle s'en occupe, elle les apprivoise et tout, mais elle ne peut pas faire vraiment leur éducation entièrement. Et Golden, vu qu'elle s'est vraiment mis beaucoup à l'écart et qu'ensuite les années suivantes, les nouvelles naissances sont arrivées, et bien du coup, bah, ma petite louloute est vraiment restée une vraie petite Mustang. Mais elle n'est pas méchante, elle ne botte pas. On peut vraiment se mettre derrière elle, elle ne bottera pas, elle ne mord pas. Donc il y a quand même un certain potentiel, il faut simplement que la louloute ait confiance en l'humain. En fait, j'ai l'impression de voir Bilbao quand je la vois lorsque Bibi était arrivée à la maison. Au tout début, j'ai l'impression de voir des copier-coller. Donc ça me fait vraiment pas du tout peur par rapport à ça. Mais ma petite louloute a un sacré caractère, donc il va falloir pas mal travailler avant de penser vraiment à faire autre chose comme travail par la suite. Donc en parlant de travail, je vais maintenant pouvoir vous dire un peu les projets que j'ai avec elle, et je crois que j'en ai un qui est sûr et certain, et l'éleveuse m'a dit mais c'est obligé que je le fasse. C'est bien sûr que Golden va faire des concours de modèles et allures, tout simplement parce que Golden a une morphologie mais qui est sublissime. C'est surtout sa tête qui fait craquer, tout simplement parce qu'elle a une tête de pur sang. Il est vraiment remonté au bout du nez. Mais elle est vraiment sublissime, et même ses membres, sa morphologie, son corps est vraiment parfait, il n'y a pas de défaut. Donc c'est sûr et certain que je vais lui faire faire ça. Ensuite, pour ce qui est des autres choses, je ne sais pas encore, j'ai pas encore réfléchi par rapport à ça. Pour l'instant, mon projet, c'est vraiment de lui créer une complicité avec elle, une confiance. Je n'ai pas du tout envie de l'effrayer par rapport à ça, donc je pense que pendant une bonne année, ça va être du travail de confiance, d'amusement, pas vraiment travailler, c'est pas vraiment mon but, j'ai pas envie de l'énerver par rapport à ça. Mais voilà, j'ai pas encore totalement de projet avec elle, mis à part que c'est sûr et certain que je lui ferai faire des concours de modèles et allures. Donc ça, c'est sûr et certain, c'est prévu. Ensuite, donc voilà un peu sur Golden. Je peux pas vraiment vous dire beaucoup de choses pour le moment car je ne la connais pas encore moi-même assez pour vous parler de ses petits faits à elle, sa vraie personnalité. Je ne la connais pas encore. Au fur et à mesure, je vais pouvoir la découvrir et je vous en ferai part, bien évidemment. Mais du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à demain pour la prochaine. Et d'ici là, je vous fais plein de gros bisous. Mouah! Bye bye!